Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison automne et on va faire la zone de vitesse du DLC numéro 2 Aventure de rallye Réservoir View. Il faut utiliser une voiture en maximum S2 998. Tous les moyens sont bons, donc n'importe quelle voiture. Et il faut faire 152,9 km/h et non pas 144,8. Il faut bien faire 152,9. C'est un coup de pub. Prenez la voiture suivante, la CCGT 2008 de Koenigsegg, avec le réglage S2 Road Racing et le code 256-849-725. 256-849-725. On va faire le radar. Ici, il faut faire les 153 km/h et on va se mettre ici dans le virage. Au début, n'allez pas trop vite, ça sert à rien. C'est dans les deux derniers virages que ça se joue. N'allez pas trop vite ici, pas perdre trop de temps, coupez bien. Maintenant, lancez-vous. Lancez-vous, prenez bien le bord ici. Coupez bien là. Coupez bien ici. Et voilà, 153. Vous y êtes. Alors c'est pas facile, hein, je vous le cache pas. J'ai quand même dû recommencer, j'irai 10-15 fois avant d'y arriver. Donc j'ai eu pas mal de mal. Mais voilà, Réservoir View est terminé. Et voilà, vous venez de finir la zone de vitesse de Réservoir View. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.